permis de rappeler qu'à travers cette cérémonie placée sous le thème les défis de la continuité éducative dans un contexte de crise sécuritaire, nous porterons haut le flambeau de l'éducation malgré les multiples adversités du monde. Pour booster l'éducation dans la province du San Martín, nous sommes absolument convaincus, comme vous tous d'ailleurs, que rien de grand ne peut s'opérer dans une société sans un système éducatif performant. D'ailleurs, l'illustre professeur Joseph Kizerbo l'avait si bien souligné en affirmant que l'éducation est le logiciel central qui programme l'avenir des sociétés. Nous ne ménagerons aucun effort pour soutenir ce secteur clé du développement qu'est l'éducation. C'est un honneur pour moi de célébrer avec vous cette journée de l'excellence à l'école primaire de la profession de San Martín. En effet, l'école dans le San Martín à l'instar d'autres provinces du Burkina Faso fait face à de nombreux défis à relever dont le plus brillant est difficile. Malgré tout, vous avez fait preuve de résilience. Cette année encore, nous faisons une halte comme à l'accoutumée pour magnifier officiellement les excellents résultats de nos braves enseignantes et enseignants, des apprenantes et apprenants de même que les autres acteurs de notre système éducatif. Bravant le contexte difficile connu de tous, la province de San Martín a pu tirer son épingle du jeu en réalisant un taux de succès fort appréciable de 78%. Temps où le village était un arbre de paix, ce temps où au Jinishe le tambour sacré parle.